Bonjour chers abonnés, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bon, aujourd'hui nous allons voir comment lire une note vocale sans que la personne ne sache, sans que ça ne coche bleu chez lui. Je tiens à signaler que même si vous avez désactivé la confirmation de lecture, vous savez que ça n'inclut pas les notes vocales parce que ça va toujours cocher bleu, donc la personne saura toujours comment que vous avez lu la note. Donc on fera le test ici. Voilà. On va le faire d'abord sans l'application. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Voilà. Ça a signalé là-bas. On va rentrer maintenant dans le WhatsApp. On va lire. Bonjour, comment allez-vous? Voilà. Comme vous pouvez si bien le voir, on va aller regarder maintenant dans l'autre WhatsApp. Eh bien oui. Ça a coché bleu. Maintenant, on va refaire la même chose. On fera la même chose avec le WhatsApp, avec une autre note et on va utiliser l'application. Bonjour, comment ça va? Voilà, maintenant. Voilà ce que vous allez faire. Avant tout, vous allez vous rendre sur Play Store. Et voilà, c'est l'application en question. Transcriber for WhatsApp, accès anticipé. C'est ce que vous allez taper sur la recherche. Maintenant, on retourne sur WhatsApp. La note, elle est là. Vous n'allez pas la lire directement. Vous allez maintenir sur cela. Puis vous allez appuyer sur les signes partagés. Voilà. C'est écrit là. Play voice message. Donc vous allez cliquer dessus. Bonjour, comment ça va? On a lu la vidéo, la note. On va retourner maintenant sur WhatsApp, sur WhatsApp Business, et vous allez vous rendre compte que ça n'a pas coché bleu. Et oui, parce que cela suppose que l'on n'a pas encore lu ce qui a été fait. Bon, merci. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et merci à la prochaine.